Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, des associations gabonaises demandent à participer à la phase politique du dialogue national. Elles interpellent directement le président Ali Bongo Ondimba. Les produits importés se vendent mieux que les produits locaux en Guinée, au grand désespoir des producteurs guinéens. Le portrait dans ce journal d'une productrice qui peine à accéder au marché local. Et la couverture maladie universelle étendue aux élèves au Sénégal, une mesure qui doit permettre d'améliorer la qualité des apprentissages et corriger les disparités en matière d'accès aux soins de santé. Mais tout d'abord, au Tchad, 12 militants de la société civile arrêtés lundi ont été relaxés ce mercredi. Des militants qui appartiennent au mouvement citoyen Iinia. Ils avaient été interpellés dans la capitale N'Djamena en marge d'une manifestation contre le président Idriss Déby Itno. Le Tchad connaît actuellement d'importants mouvements de contestation en raison notamment de la crise économique et sociale causée par l'effondrement des prix du pétrole. Au Gabon, 633 associations sollicitent l'intervention du chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Elles souhaitent prendre part à la phase politique du dialogue national inclusif, une phase dont les travaux ont démarré ce 12 avril à Libreville. Reportage de notre correspondant Douglas Toutouma. Au moment où s'ouvre à Libreville la phase politique du dialogue national initié par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba, 633 structures associatives ayant pris part au dialogue citoyen appellent le président de la République à leur ouvrir les portes de cette seconde phase. Une phase qui va s'achever le 10 mai 2017 à Libreville et à laquelle prennent part 54 partis politiques de l'opposition et de la majorité. C'est un dialogue inclusif sans tabou. Il s'agit donc d'un échange et non d'un monologue. Or, dans la phase dite citoyenne, nous avons apporté des contributions et donc nous voulons donc sécuriser ces contributions. Nous voulons donc aller à la phase politique. Nous interpellons le chef de l'État afin que celui soit notre intercède en notre faveur pour que les politiques nous acceptent justement à la phase dite politique. De son côté, l'association dénommée l'Armée du Mapane, qui a également pris part à la première phase du dialogue national, estime que les jeunes ont une grosse partition à jouer lors de ces assises et doivent par conséquent prendre une part active à cette deuxième phase. Nous voulons aller au dialogue politique parce qu'on estime que dans le dialogue politique, tout sera décidé là-bas. Quelles sont les personnes qui meurent? C'est bien les enfants du Mapane. Quels sont les enfants qui assistent au meeting? C'est les enfants du Mapane. Pourquoi des gens qui ont eu 0,17% vont aller décider de l'avenir du pays? Pourquoi? Selon le ministre en charge du dialogue national, Maître Francis Nkeya, les acteurs ayant participé à la phase citoyenne n'ont pas besoin de se réinscrire à la phase politique, car leurs contributions seront prises en compte au même titre que celles de la seconde phase dite politique. Tout ce qui a été étudié, tout ce qui a été élaboré, tout ce qui a été proposé, soit appliqué dans son intégralité. Mais il se trouve que le pays a des institutions en place. Ce sont ces institutions qui vont procéder au filtre. Les contributions des acteurs des deux phases du dialogue national seront applicables et obligatoires. Elles seront introduites dans l'ordonnancement juridique du pays pour qu'elles soient converties en texte de loi. Précisons que l'ensemble des décisions revêtiront un caractère consensuel. Dans l'actualité également, le président mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz a été reçu ce mercredi 12 avril par son homologue français François Hollande. La question de la sécurité dans le Sahel et de la lutte contre le terrorisme était au cœur de cet entretien. Le chef de l'État français a également salué l'implication décisive du président mauritanien dans la résolution politique et de la récente crise en Gambie. En Guinée, le consommateur se tourne davantage vers les produits importés que vers les produits locaux. Les productions guinéennes ont donc du mal à être écoulées. C'est cette difficulté que rencontre Fatoumata Binta Diallo. Elle a investi plus $1 million dans la construction d'une usine de fabrication d'eau javelisée. Mais l'accès au marché local reste un véritable problème. Reportage de notre correspondant Emmanuel Munouno. C'est la plus grande unité de production d'eau javelisée en Guinée, tant par le coût d'investissement que par la quantité de la production journalière. Ici, Fatoumata Binta Diallo a investi environ $1 million pour produire sur place et ainsi participer à baisser les coûts des produits nettoyants sur le marché. Mais c'est justement l'accès à ce marché qui pourrait la pousser à fermer, alors que son ambition est d'agrandir ses installations et créer plus d'emplois. Mes parents guinéens ne veulent pas m'aider, ne veulent pas acheter mes produits, ne veulent rien entendre de mes produits. Ils préfèrent aller acheter ailleurs. Donc je suis obligée de les faire sortir du travail. Je suis obligée de fermer l'entreprise parce que j'ai des charges. Fatoumata Binta Diallo vivait en Turquie avec son mari.
C'est à la faveur de l'élargissement des relations économiques entre les deux pays qu'elle décide alors de rentrer investir en Guinée. Elle implante cette usine et crée la marque Nimba en référence au plus haut sommet de la Guinée. Certains commerçants lui ont même suggéré de changer ce nom d'origine locale pour donner l'impression qu'il s'agit d'un produit importé. Quand je sors sur le terrain, on me dit non, c'est fait en Guinée ici, c'est pas de la qualité, donc il faut changer le nom de Nimba, il faut mettre un autre nom d'européen pour que tes produits changent. Il n'existe aucune politique protectionniste de la production locale en Guinée. Fatoumata Binta vend ses produits à moins 50% des prix d'autres produits de même constitution et d'origine étrangère. Mais face à ce difficile accès au marché, le risque de fermeture guette son usine. Au Sénégal, la couverture maladie universelle des élèves à travers les mutuelles de santé a été lancée mardi à Dakar. Ce programme s'inscrit dans le cadre de l'amélioration de la qualité de l'éducation. L'élève adhérent bénéficie de la prise en charge par la mutuelle de 80% de ses frais de santé. Et de l'admirable Bissot. Pour une cotisation de 1 000 francs CFA, les élèves pourront désormais accéder aux soins de santé grâce à la couverture universelle élève au Sénégal. L'élève adhérent bénéficie de la prise en charge de la mutuelle de santé de 80% de ses frais de santé et de médicaments dans les hôpitaux. A noter que c'est la mutuelle départementale qui prend en charge 80% des frais de médicaments et de consultations. Cela est effectif, ça permettrait donc de compenser le déficit qu'il y avait en termes de prise en charge correcte de la sécurité sociale des élèves. Ce programme national de couverture maladie universelle pour les élèves s'inscrit dans le cadre du programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence de l'éducation. En réalité, les compagnies d'assurance qui interviennent dans le système scolaire peinent toujours à payer aux élèves leurs prestations en cas de nécessité. Dans le système scolaire, il est prévu dans le système scolaire sénégalais, il est prévu que chaque établissement scolaire doit être doté d'une assistance sociale et d'une infirmerie. Aujourd'hui, je crois qu'il n'y a pratiquement pas d'établissement au Sénégal où on trouve soit une assistance sociale, soit une infirmerie. La couverture maladie universelle élève est ouverte aux élèves des cycles élémentaires, moyens et secondaires du Sénégal pour garantir la prise en charge de leurs frais de santé. La garantie s'exerce à travers l'affiliation de l'élève à la mutuelle de santé communautaire. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.